Eh bien bonjour à tous, c'est Cassilix et on se retrouve sur Warframe. Et oui, et aujourd'hui c'est pour vous présenter un petit peu l'opération Ratum. Donc on va vite survoler la première partie, je vous ferai voir par contre plus en détail la seconde partie où il faudra tuer Kella de Thème. Donc déjà, comme vous pouvez voir, mon petit vaisseau, waouh, commence à avoir trop de statuettes partout, je sais plus où les mettre, je sais pas ce que vous voyez, mais là c'est... Oula, mais fais pas un saut propulsé, ça sert à rien. Donc là, on a un petit Curia aussi qui se balade dans l'évitation. Tout comme mon urne d'ailleurs que je vous avais fait voir. Waouh, petite urne. Ouh, comme c'est beau. Donc voilà, donc c'est le même principe que dans les dojos. Hein, si vous voulez faire ça, les mettre un peu en lévitation. Hein, vous foutez des choses juste en dessous. Après, vous les enlevez une fois que vous avez posé soit le Curia, soit l'urne. Et ils resteront en lévitation. Donc voilà, mes petites statuettes. Il y en a partout. Et après, il va falloir que je les mette partout. Même sur le toit, là, ici. Enfin, sur le toit, sur la vitre. Donc du coup, l'opération Ratum. Eh oui, donc ce sont les déserteurs Greener qui sont gardés par Kella de Thème, puisque du coup ils sont déserteurs et du coup il va falloir les libérer. Donc il va falloir battre les bourreaux, vous allez voir, pour gagner des points, etc. Donc au début vous aurez le badge Ratum, ensuite vous aurez le sigil et à la fin vous aurez les Furax. Donc sachant que à chaque fois que vous allez le faire, donc il faudra avoir 25 tués en premier. Du coup vous passerez au niveau suivant, donc vous gagnerez des points, etc., etc. Et évidemment ce sera un petit peu plus dur. Et par contre à la fin vous gagnerez pas 1 point par 1 point ou 3 points par 3 points, etc., etc. Vous gagnerez 10 points directement. Une fois que vous aurez fait ça, donc vous aurez vos 100 points faciles, hein, donc vous aurez vos Furax, vous aurez votre sigil, etc. Il va falloir aller battre Kella de Thème. Et Kella de Thème, bah c'est simple, du coup comme on peut le voir sur la vidéo, il y a une petite, petite astuce, je pense que tout le monde l'a trouvé, mais c'est pour la suite, pour ceux aussi qui ne l'ont pas encore fait, je pense à nos amis Xbox One et PS4. Du coup voilà, il va falloir se foutre sur 4 plateformes, donc un Théno par plateforme, ou même un Théno sur une plateforme, puis l'autre derrière qui est en train de viser, parce que vous voyez que du coup, on a une espèce de petit truc qui tourne avec un petit truc vert, donc il va falloir viser le truc vert à chaque fois, pour débloquer il y en a 4, donc il va falloir faire ça sur les 4. Une fois que ça va faire ça, bah, comme on le voit, ça débloque la cinématique, et du coup on va affronter Kella. Donc Kella, bah écoutez, c'est simple, hein, le but c'est de la dégommer, c'est de dégommer Kella pour avoir le mode et finir la mission. Et donc elle est à un moment comme on peut le voir, toujours également. Il va falloir aussi refaire le même principe sur les 4 plaques pour débloquer, parce qu'en plus on prend des bombardements dans la gueule et là je peux dire que ça fait très mal. Donc moi l'astuce, bah vous voyez, moi je tourne autour comme ça, jamais le temps de me faire dégommer la gueule, mais bon, on tombe régulièrement pour certains et c'est vrai que c'est assez chiant. Donc voilà, donc une fois que vous aurez fait ça et que vous aurez dégommé Kella, et bah vous récupérerez un mode au sol. Donc du coup il y en a 9. Et moi pour le coup, je vais récupérer Siaos et Blitzvulcain. Donc il va falloir répéter la mission plusieurs fois pour avoir les autres.
Donc, pour justement retourner dégommer notre petite amie qui est là, il va falloir recommencer l'opération Ratum pour les bourreaux, éliminer les bourreaux pour gagner des points. Et là, heureusement, une fois que vous l'aurez fait entièrement, les points de jugement, vous les regagnerez 10 par 10. Donc, il faudra le refaire à chaque fois que vous voulez récupérer un nouveau mode sur Kella. Rebattre Kella directement. Donc, voilà. Donc, une fois que vous aurez fait ça, battu Kella et tout, vous aurez le Ratum sans fin. Et le Ratum sans fin, bah, du coup, ça, il faut faire au moins 25 pour avoir la récompense du réacteur Orokin. Donc, 25, ça va. Nous, hier, par contre, moi, on a fait 97. À 3 près, comme j'ai mis sur Twitter, à 3 près, c'est dommage, on aurait pu avoir les 100. Mais bon, bah, c'est comme ça. Donc, du coup, j'ai eu mon petit réacteur Orokin, etc., etc. Donc voilà, donc eh bien écoutez, pour cette opération-là, bah, c'est pas très compliqué, Kella est pas trop dur non plus. C'est juste qu'il faut connaître un peu la mécanique d'éviter ces bombardements et puis bah, de dégommer les plaques. Si on a une bonne équipe, ça se fait très très rapidement, tranquillement, et puis vous récupérez les mods facilement. Donc voilà, donc de toute façon vous avez tout en vidéo. Et puis bon bah voilà, comme ça vous donne une idée de ce qu'il va falloir faire, et c'est comme je le dis hein, c'est relativement facile. Mais l'idée des bourreaux, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, j'ai trouvé ça sympa, en espérant qu'on va les voir après, parce que moi je voulais les scanner, je n'ai pas pu les scanner parce que du coup effectivement dans les combats pour gagner les points de jugement, et ben on ne l'a pas, enfin on peut pas utiliser scanner. Donc j'espère qu'on va les revoir rapidos pour pouvoir les scanner tout simplement. Sinon rapidement, on avait aussi sur le marché, donc là vous avez les statues, collection statuettes Ratum et le pack d'icônes des bourreaux avec les Comac jumeaux effectivement hein, qui sont arrivés aussi en même temps. Et puis ben, on a les Furax quoi. Donc voilà, donc eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des petites questions pour l'opération, il n'y a pas de souci. Hein, vous voyez, il reste encore 9 jours et 7 heures, c'est marqué tout en haut. Hein, donc vous avez encore largement le temps. Et puis en plus, vous pouvez récupérer un présent du Lotus, le Catalyseur Orokin. Effectivement, il y a eu le dev stream hier soir. Donc voilà, et eh bien écoutez, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Rassurez-vous, j'ai vu un peu les sondages sur Twitter, comme j'avais demandé le Facecom. Que vous vouliez en voir plus souvent. Donc c'est pris en compte, rassurez-vous, ce sera fait. Voilà, allez, je vous fais de gros bisous, mettez nos divins. Allez, c'était KCX, ciao.